Salut. Salut, bienvenue à toi, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Ouais, on a dépassé le cap de 2021 là, s'il te plaît, on est en 2022. Tu rajoutes 2 à la fin, merci. Je suis trop contente, vous pouvez pas savoir, ça a fait du bien de changer d'année. Enfin, je sais pas, je suis contente parce que je dis merci beaucoup à Dieu de m'avoir donné encore un an plus en gros pour vivre dans ce monde, quoi. Ce monde, quand je dis ce monde, c'est le monde hypocrite qu'on vit dedans, quoi. Voilà, regardez la scène de la vidéo, c'est loin. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc bienvenue à toi sur ma chaîne. Si t'es nouvelle ou t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, abonne-toi tout de suite maintenant avant que je commence la vidéo. Et n'hésite pas à activer la cloche de notification pour recevoir tout et à n'importe quand que je sorte une nouvelle vidéo. Parce qu'à tout moment je peux exhaler et puis je peux mettre ça sur YouTube comme ça. Ah, en vrai tu parles beaucoup, hein? Non, parce que je suis contente, vous pouvez pas imaginer. Ça fait du bien de passer ça fait du bien de passer à une année, tu vois. Parce que parmi Pendant ces un an pour changer d'année, il y avait des gens qui étaient morts, qui étaient à l'hôpital, il y avait des gens qui n'étaient pas bien, tu vois ce que je veux dire. Donc je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir donné un an encore plus sur cette terre là. Voilà, j'aimerais bien que ça commence dans les bonnes conditions, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça dans les bonnes conditions, que ça se termine bien et que j'espère que vous, vos projets que vous avez en tête de réaliser en 2022 va prendre forme et que Dieu vous protège, beaucoup de santé, bonheur, bénédiction, argent, travailler, la money. Après vous allez dire, ouais mais tu as trop parlé de l'argent, mais sans argent là ma chérie tu vas faire quoi? Non mais dis-moi, dans l'argent, on veut de l'argent s'il vous plaît. Donc beaucoup d'argent, travailler et puis prier le bon Dieu qui vous protège, que cette année ça se passe bien avec votre famille, dans votre travail, etc. Voilà. Moi je vais vous parler de mes ambitions de 2022, bien sûr, parce que j'ai des ambitions, parce qu'il y a des gens qui pensent que ouais j'ai pas d'ambition. J'ai des ambitions, c'est juste que des fois là le secret, faut pas dire. Non là je veux même pas vous dire beaucoup de choses, mais en fait c'est pour vous dire qu'en fait ouais je veux revenir sur YouTube. En fait j'aime trop filmer, je vous parle sérieusement, j'aime trop filmer, parler avec vous comme ça me fait du bien. Quand j'allume juste la caméra je suis grave contente, ça se voit là, déjà je suis archi contente parce que vraiment franchement YouTube c'est YouTube, il n'y a pas de mots à dire. Voilà mes résolutions de 2022, parce que 2021 j'ai dit des résolutions mais j'ai pas tenu, j'ai fait la moitié de mes résolutions. La première c'est quoi? La première c'est déjà avoir le code. Parce que vous allez dire ouais mais t'as pas le code depuis. Oui j'ai pas le code depuis parce que j'ai négligé ça. C'est pas que j'ai négligé ça mais ça me disait rien. Mais là à l'heure actuelle où je parle là, il fait trop froid. Moi je peux pas attendre le tram jusqu'à 30 minutes comme ça. Non il fait froid. Donc moi j'ai décidé, première ambition c'est avoir mon code. Tous les sorciers que vous allez voir mes ambitions, au nom de Jésus ça sera nul et sans effet. Parce que 2022 là, moi je m'en fous de vous même les sorciers. Vous allez pas m'atteindre, c'est fini au nom de Jésus. Si je suis encore en vie là, c'est pour vous dire que là ça va pas marcher. Bon, deuxième résolution du coup c'est de continuer à faire des vidéos sur YouTube, sortir de mon zone de confort, parler de tout, n'importe quoi. En tout cas moi je veux faire ce que j'ai envie de faire. Après si vous voulez me soutenir, soutenez-moi. Sinon vous voulez pas, c'est pas grave, il y a des gens qui vont me soutenir, merci beaucoup. Troisième résolution, c'est je m'en fous. Troisième résolution, oui, c'est que en fait, dans ce monde, je me dis que peu importe ce que tu vas faire, les gens vont parler. Parce que d'habitude, je fais des choses, mais je me dis, ouais, les gens vont dire ça, mais en fait, non, Andrea, c'est bon, frère. On en a passé l'étape, ça dure depuis des années. Peu importe que tu fais quelque chose de bien, les gens vont toujours critiquer, ils vont toujours trouver quelque chose de mal dedans. Donc, à l'heure actuelle, c'est moi-même de ma tête, peu importe ce que les gens vont dire, je m'en fous, même ça me touche même pas. Parce que quand je vais me doucher, là, je lave ça même. Oh, je lave ça, plus rien même me fait du mal. Sans vous mentir, ça me touche plus trop. Il y a des trucs, ça va me toucher, mais il y a des trucs, franchement, maintenant, je ne prends plus la tête sur ça. Je passe à autre chose, clairement. Quatrième résolution, je sais pas, hein, plus me faire belle parce que...
en ce moment je lâche un peu le make-up. Bon, après c'est, ça fait pas de mal, mais voilà quoi, je veux juste un peu pomponner un peu. C'est juste j'ai la flemme en fait, sans vous mentir, la flemme de mettre le fond de teint et tout. Tu vois, c'est pour ça des fois je filme pas trop, parce que j'ai la flemme de maquiller, je suis une flemmarde. Quand je me maquille, moi c'est pour aller dans un endroit fixe. Moi je veux pas me maquiller, rester chez moi pour faire des snaps, jamais. Ça dépend, il y a des jours, faut pas que je dis jamais, il y a des jours je peux faire ça, mais voilà quoi. Voilà, ma cinquième résolution, c'est de ne pas ramener n'importe qui dans mon cercle d'amis. Parce que j'ai trop ramené des gens dans mon cercle d'amis qui m'ont déçu aujourd'hui. Même qu'ils ont des foutais jusqu'à même fatigué, ça a même monté dans leur cerveau. Mais moi c'est fini 2022. Ah, c'est fini. Tu zailles, je zaille. Ah, c'est 50-50. La vie maintenant c'est 50-50, hein. Vous voyez que dans la vie là, tout est payant. Donc tu me fais du mal, Moula. Je te rends mes sentiments. Non mais je vais pas te rendre le mal, mais genre je vais te rendre. Mais toi même tu vas voir mon évolution. Tu vas dire ouais madame, je wanda sur toi maman. Tu vas wanda même 1000%. Ok, c'est quoi? Sixième résolution, c'est de voyager. Franchement j'aimerais bien voyager, sortir un peu de la France, parce que franchement le Covid et tout ça, je vis plus. Avant même je sortais pas beaucoup, mais là alors là c'est comme si j'ai l'impression d'être en prison même. J'ai envie de sortir de la France. J'ai envie d'aller, je sais pas, mon bled en Afrique, je sais pas, aller dans d'autres pays, parce que la France même ça me saoule en ce moment, ça me saoule. Trop de Covid, ça dure 2 ans, ça se finit jamais, on peut plus vivre, on peut rien faire, c'est bon, ras le cul. On va quitter la France, on va dégager le lieu et puis on va faire notre vie ailleurs. Et peut-être, bon, si ça arrange, Macron il décide ou quelqu'un d'autre décide d'arranger la situation, on va revenir. Mais là, franchement, il faut vraiment quitter pour libérer l'esprit. On n'est pas des prisonniers quand même. C'est quoi? Donc voilà, moi c'est ça mes résolutions. Comme je vous ai dit, je ne veux pas raconter trop ce que j'ai envie de faire. Parce que voilà, dans la vie, il ne faut pas trop dire. Je voulais dire aussi. C'était quoi? Je sais pas si ça fait partie des 8e résolutions, mais en fait c'est pour vous dire que j'ai changé quoi. Donc arrêtez de faire vos foutaises avec moi. C'est fini. Là, genre en fait, c'est pour vous expliquer que dans la vie, on a 365 jours quoi. Moi j'ai fait 2020, 2021, 2022. On est en 2022. Les gens ils évoluent, il y a des gens qui changent. Donc pour vous dire que moi j'ai changé, donc vos foutaises ça marche pas avec moi. Tu me prends pour une conne, mais je te le prends mais à l'envers même. Vous voyez ce que je t'ai dit? Non, je suis plus gentille. Enfin, je veux pas dire que je suis plus gentille. Voilà, j'ai toujours été comme ça. Mais c'est fini, quoi. Les foutaises, c'est fini. Si tu comprends ce que je veux dire, tu comprends. Si tu viens dans ma vie pour me foutre la merde, mais je te rends mes sentiments. Parce que déjà, dans ma vie même, c'est la merde. Déjà, dans ce monde même, on vit dans un monde, mais de fou malade. Donc, tu vas pas venir me rendre folle encore plus. Non, jamais de la vie. Donc, si tu veux être fou, là. Et puis tu vas être folle, tu veux faire ta folie, fais ta folie dans ton coin et puis tu viens pas me déranger. Parce que si tu viens me déranger, ça va gâter. Ah, ça va gâter, moi je m'en fous. Ah, on a trop souffert, j'ai souffert même. Corona m'a déstabilisé niveau mental, niveau physique, tout. J'ai souffert moi-même dans ma vie. Donc, s'il vous plaît, 2022 là, tout ce que je vais faire, n'ouvrez pas la bouche pour parler. Même si dans tous les cas vous parlez pas. Oh. Moi j'avance, tu vois ce que t'es déjà. Du coup, 9e résolution, ben, 9e résolution, c'est quoi? Faire du sport, parce que j'ai arrêté de faire du sport. Bon, j'ai un peu maigri, mais j'ai du poids. Vous voyez mon ventre et tout, j'ai perdu du poids un petit peu. Voilà, mais je kiffe mon corps. Moi, je kiffe mon corps. Après, il y a des gens qui disent, ouais, mais t'as trop maigri. C'est pas avec ta bouche que je mange, c'est avec ma bouche. Si j'ai envie de maigrir, je maigris. Si j'ai envie de prendre du poids, je prends du poids. C'est quoi? Ne dérangez pas les gens avec vos trucs. Toujours en train de dire, ouais, mais t'as maigri, ouais, t'as grossi. Ouais, mais t'es devenu clair, mais là, t'as foncé. Oh, c'est bon. Deux fois, t'as vu vos avis, gardez-les, avalez. Avalez même dans votre ventre. N'ouvrez pas la bouche pour raconter de la merde. Ça y est, c'est fini. Oh, on en a marre. On en a marre de vous les gens. Deuxième de résolution, c'est d'arrêter d'être parano, parce que je suis archi parano. Je suis pas parano, c'est juste que je fais archi de films et il faut que j'arrête ça parce que ça peut me porter préjudice dans ma vie. Et j'arrête un peu d'être jalouse parce que je suis jalouse possessive. Je sais pas, je peux pas dire si je suis jalouse possessive, mais je suis tarpée jalouse et faut que je me calme sur ça parce que voilà, dans la vie, tout, on peut tout perdre à tout moment, on peut tout gagner à tout moment. Donc à un moment donné, il faut que je calme un peu mon cœur, mon amour que j'ai pour les gens. Tu vois ce que tu veux dire? Voilà. Et 11e résolution, ben,
c'est d'arrêter d'être rancunière, tu vois, passer à autre chose, ça y est, le passé c'est le passé, passer à autre chose et puis avancer dans sa vie. Tu vois ce que tu veux dire, si tu me fais du mal, vas-y, en fait, il faut que je te zappe, quoi, je te zappe et puis vas-y, c'est bon, je parle même plus de cette histoire. J'oublie. Et je crois c'est tout, hein, je crois c'est tout, c'est bon. Et puis voilà, sorti plus des vidéos, chaque sortie deux vidéos au moins dans la semaine pour vous faire plaisir, tu vois, continuer et que vous me donnez de la force pour que je puisse avancer dans mes projets YouTube. Pour vous dire que je vais continuer à être actif très souvent pour votre plaisir parce que vous me demandez tout le monde, ouais Andrea, ouais on te voit plus, tu viens plus trop sur YouTube. Ah mais là je suis sur YouTube et je serai sur YouTube. YouTube c'est ma chaîne où si je veux je pars, je reviens. Vous voyez, c'est que... Donc, les gens qui... Il y a des gens que je comprends pas, quoi. Je ne vous comprends plus. Enfin, je sais pas, t'as vu, il y a des trucs que, vas-y, ça y est, avant, ça se passait ça. Bon, on disait, bon, vas-y, c'est pas grave. Mais là, on va en 2022, s'il vous plaît. Donc, si la personne a envie de faire quelque chose, il fait. Si la personne n'a pas envie de faire, il fait pas. Donc, à un moment donné, arrêtez de déranger les gens. Donc, je voulais passer un message ça aux humains. Parce qu'on est des humains sur cette terre. Les humains, arrêtez d'être hypocrites et arrêtez, s'il vous plaît, de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer vous-même. Vous vous fatiguez, il y a trop de choses que franchement, les humains, il faut que vous changez en 2022. Et Macron, dédicace à toi aussi, papa, s'il te plaît, arrête le truc de Corona. On veut vivre, on veut un peu avoir la paix dans notre vie, un peu... on veut revivre comme avant, là on vit plus, on est emprisonné, on dirait que même le monde il est endormi, le monde il est mort là, le monde il est mort, il dort. Donc j'espère que le bon Dieu va faire que 2022 là, tout le Covid là va partir. Parce que là il y a variant, je sais pas quoi. Nom de Jésus, il faut que ça part, ça a duré trop longtemps Macron, on en a marre, on est fatigué, j'espère que tu vas voir ce message, on est fatigué. Donc voilà, en tout cas passez des bonnes fêtes, en tout cas la fête elle continue jusqu'à... fin janvier quand même parce que c'est nouvelle année janvier. Et puis je vous souhaite une excellente soirée si vous voyez la vidéo en soirée ou la journée ou l'après-midi. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram qui est Andrea NG et mon Snapchat qui est ng-coco et on se retrouve là-bas, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, des fois je fais pas des snaps parce que franchement je suis pas ce genre de personne à snapper vraiment ma vie, ce que je fais quoi. Donc en plus snap en ce moment ça me dit plus rien. Franchement c'est bien hein, mais ça me dit plus rien donc voilà. On va se retrouver donc les gars, on est là, moi j'y vais, je reviens. Bisous, à plus, bye bye.